Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on va vous parler du vermifuge. Donc pourquoi vermifuger son animal ? Tout d'abord, pour éradiquer les vers s'il en a. Ensuite, éviter la contamination avec vos autres animaux, mais aussi avec vos enfants, car oui, certains sont transmissibles à l'homme. Et ensuite, pour conserver la bonne santé de son animal en évitant le retard de croissance chez les plus jeunes, la maldigestion, les diarrhées, les vomissements. Comment le traiter ? Il faut le traiter par comprimé, soit par pipette, par voie cutanée, soit par pipette, par voie orale. Le vermifuge est un médicament vendu uniquement sur ordonnance. Il est nécessaire de prendre rendez-vous chez votre vétérinaire. Car oui, un mauvais dosage peut être très dangereux pour votre animal. Quand faut-il le traiter ? Donc pour les plus jeunes, dès 2 mois en général, ou à partir d'un certain poids, donc c'est pour ça qu'il faut aller faire une consultation chez votre vétérinaire, il faut le traiter 2 fois à 15 jours d'intervalle, puis tous les mois jusqu'à 6 mois, et ensuite au moins tous les 3 mois. Pour les animaux adultes, tous les 3-4 mois. Alors, les laboratoires recommandent tous les mois, mais ça reste assez controversé pour les vétérinaires. Donc, pourquoi les laboratoires veulent qu'on traite nos animaux tous les mois ? C'est parce que le vermifuge n'est pas préventif. Donc il va traiter uniquement sur le moment. C'est pour ça que si vous traitez votre animal, par exemple le 15 janvier, il peut de nouveau avoir des vers le 30 janvier. Voilà, c'est pas préventif, ça traite uniquement sur le moment. Donc j'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. Sinon, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. Et on vous souhaite une bonne journée. Salut !